Bonjour les circadiens, j'espère que vous êtes en pleine forme. Avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant et à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Cela me permettra de mieux me faire connaître et de faire grandir la communauté des circadiens. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te partager mon expérience avec la méditation. Ça fait maintenant 9 ans que je pratique la méditation, que j'ai commencé, et donc ça fait maintenant aujourd'hui partie intégrante de ma vie. Donc comme je te le disais, ça fait 9 ans que j'ai commencé la méditation, donc j'ai commencé à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui j'en ai 26, le temps passe vite. Et donc j'ai découvert la méditation par le biais d'une émission qui passait sur TF1. Et d'ailleurs je crois qu'elle passe toujours encore, ça existe toujours. Cette émission elle est très connue et peut-être que tu la regardes encore aujourd'hui, c'est Koh-Lanta. Alors en fait, c'était le Koh-Lanta 2012, il y avait, je me rappellerai toujours, un participant qui s'appelait Thierry. Et d'ailleurs, si Thierry regarde cette vidéo, et ben je te dis un grand merci parce que grâce à toi, j'ai découvert la méditation et je ne me suis jamais arrêté. Et donc Thierry, en fait, il me fascinait parce qu'il avait des yeux bleus, mais il avait des yeux bleus très fins, très, très perçants. Il avait vraiment un regard de loup, il avait un regard magnétique, il avait un visage de loup aussi. Et d'ailleurs, il avait un regard magnétique parce qu'en plus, si je me rappelle bien, il était magnétiseur de profession. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui me fascinait. Et en fait, tous les matins, je le voyais au bord de la plage, sur un gros rocher. Et il était en position, donc en tailleur, en position de méditation. Et du coup, il méditait. Et donc, tu avais la voix off de Denis Brognard qui disait « Thierry fait sa méditation ». Enfin, je me rappelle plus exactement ce qu'il disait. Et moi, en tant que grand curieux que je suis, que j'ai toujours été depuis tout petit, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait sur ce caillou? Il est dans une posture de lotus comme ça, il fait rien. Qu'est-ce qui se passe en lui? Il pense à quoi? Ou il pense pas? Qu'est-ce qu'il fait? Du coup, après l'émission, je me rappelle avoir été dans ma chambre. Je suis allé sur mon PC et j'ai regardé un bon porno. Non, je rigole. Je suis allé sur mon PC et j'ai commencé à faire des recherches sur la méditation. Qu'est-ce que c'est? Comment on pratique ça? Etc. Et c'est là que j'ai commencé mes premières séances de méditation. Du coup, je me rappelle, ma première séance, c'était sur mon lit. Donc, je me suis assis en tailleur. Je me rappelle que j'étais éclairé simplement avec une bougie dans ma chambre. Et donc, j'avais mis même un espèce de drap, tu vois, j'avais une petite couverture et je l'avais mis un peu en mode bouddhiste et tout, vraiment pour faire le moine, tu vois. J'étais vraiment en mode moine, sur mon lit. Et d'ailleurs, je me rappelle, ça m'arrivait des fois, genre, je voyais ma mère ou mon père couvrir la porte le soir, tu vois, de ma chambre. Et genre, il me voyait en position de moine, comme ça, en train de méditer et tout. Il devait me prendre pour un gros ch'tarbé. Donc du coup, j'ai commencé mes méditations comme ça, éclairé à la bougie, etc. Et je mettais des musiques, alors je vais taper méditation bouddhiste, etc. D'ailleurs, j'ai encore les chants, les sons que j'ai écoutés il y a très longtemps. Je pourrais te les mettre en bas de la vidéo, dans la description, si ça t'intéresse. Si tu souhaites avoir d'autres musiques à écouter pendant tes pratiques de méditation, si tu pratiques la méditation. C'est donc comme ça que j'ai commencé la méditation à mes 17 ans et grâce à Koh-Lanta. Voilà, des fois tu peux découvrir des trucs de fou qui n'ont rien à voir avec l'émission. Maintenant, qu'est-ce que la méditation m'a apporté? Eh bien, dans un premier temps, je suis devenu beaucoup plus calme dans mon quotidien. Alors déjà, de base, je suis quelqu'un de relativement calme, mais alors là, c'est venu empirer le truc. Mais bien que de l'extérieur, j'ai l'air de quelqu'un de calme et de gentil, etc. À l'intérieur, j'ai l'esprit qui tourne beaucoup, j'ai le mental très actif, je suis quelqu'un d'assez analytique et qui a besoin de stimulation mentale. Et donc du coup la méditation ça me permet vraiment de calmer, de ralentir l'esprit pour éviter d'être vite submergé par plein d'idées, plein de pensées, etc. Et quand j'étais plus jeune, du moins au début de ma préadolescence, de mon adolescence, j'étais quelqu'un d'assez émotif et je pouvais être rapidement perturbé par un événement qui sortait de l'ordinaire, un événement un peu stressant, un peu anxiogène, ou par une personne qui était intimidante. Et du coup, avec la méditation, j'ai vraiment réussi à prendre de la distance face à ce genre d'événement. Méditer m'a aussi aidé à prendre conscience de mes émotions et à mieux les gérer. Aujourd'hui, j'ai la capacité d'être relativement détaché face aux événements extérieurs qui arrivent, que ce soit des événements positifs ou négatifs. Et donc, j'arrive à avoir une certaine hauteur face à l'événement. Et ça m'évite d'être vite submergé, d'être vite piégé dans la peur et dans l'anxiété. Du coup, je suis moins réactif face aux événements extérieurs et donc
je peux prendre des meilleures décisions pendant les périodes difficiles ou les périodes de doute, de peur, etc. Méditer, c'est aussi un moment qui est aujourd'hui très important pour moi. Quand je médite, c'est mon moment, c'est mon rendez-vous avec moi-même, avec l'unité, avec le cosmos, et je veux que personne me dérange. Alors du coup, quand je médite, là j'habite seul, donc il n'y a pas de souci, mais quand je suis chez les autres, je fais toujours en sorte de ne pas être dérangé, donc soit je demande aux personnes de ne pas rentrer dans la pièce, ou alors j'attends que tout le monde va se coucher pour pouvoir méditer. Donc des fois je médite, quand je suis chez de la famille, on va se coucher tard, donc du coup, ma méditation elle va commencer à 23h, à minuit, etc. Donc c'est des méditations de nuit. Et du coup, c'est l'opportunité chaque jour pour moi de me déconnecter de mon environnement, de tout ce qui est tout ce qui pourrait me faire réagir, me faire me sentir d'une certaine manière, réveiller des émotions en moi, de tout ce qui m'est familier, de mes routines, de mes comportements compulsifs et habituels et automatiques. Et tout ça pour rentrer dans un espace de pure conscience, dans un espace vide, noir, infini, tout autour de moi. Donc je baigne quand je suis en méditation dans un espace de vide absolu. J'ai l'impression d'être en plein milieu de l'univers où il n'y a rien. Et du coup, je suis vraiment déconnecté de toute sensation des cinq sens, donc de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, etc. Bon, j'ai une petite musique en fond, mais voilà, tout ce qui est... je suis vraiment déconnecté de mon environnement, et là, je suis vraiment dans un état de paix. Et d'ailleurs, je perds très souvent la notion du temps dans mes méditations, parce que du coup, bah, je me déconnecte de ce monde de 3D, ce monde matériel, ce monde où il y a de l'espace et du temps. Et du coup, bah, des fois, mes méditations, elles sont plus ou moins longues. Des fois, j'ai l'impression d'avoir médité qu'une demi-heure, alors qu'en fait, ça fait une heure que je médite. Ou des fois, j'ai l'impression d'avoir médité longtemps, alors qu'en fait, ça fait très peu de temps que je médite. Donc vraiment, on perd vraiment la notion du temps, parce que quand on est véritablement dans un état de méditation, on n'est plus dans cet espace, comme je le dis, d'espace-temps. On perd la notion du temps, parce que là où on est, il n'y a pas de temps, en fait. Le temps est éternel, c'est vraiment un espace de pure conscience. Très intéressant également, la méditation m'a permis de développer ma métacognition. Alors je vais expliquer ce que c'est. La métacognition, c'est tout simplement le fait d'avoir conscience, c'est la conscience de soi. Autrement dit, depuis ces derniers mois, ces dernières années, plus ces derniers mois, c'est assez récent que c'est venu, j'ai vraiment l'impression qu'en moi, il y a un observateur qui m'observe en fait, qui observe tous mes schémas de pensée, toutes mes émotions, toutes mes réactions, etc. Et en fait, c'est comme s'il y avait, comme je le disais, un observateur qui est détaché et qui du coup va commenter toutes les pensées, toutes les réactions que j'ai, etc. Un peu comme un commentateur de football qui va regarder un match d'un point de vue extérieur du jeu et qui va voir tout ce qui se passe sur le terrain. Du coup, en fait, j'ai un commentateur, donc un observateur qui me dit « Ah tiens, là, cette personne-là, t'as dit ça, t'as ressenti cette émotion-là. » Ah tiens, là t'as dit ça, là c'était ton ego c'est ton ego qui a voulu parler. Donc j'ai vraiment développé cette conscience de soi, et ça c'est vraiment un truc, j'ai du mal vraiment à expliquer, je pense que tu vois ce que je veux dire, mais j'ai vraiment du mal à mettre des mots sur cet aspect-là. Mais du coup ça m'aide énormément dans mon développement personnel, parce que du coup, le soir par exemple, quand j'écris sur mon journal ou quoi, eh bien, je peux renoter, repasser ma journée et voir et me dire « Tiens, il y a telle personne qui m'a fait me sentir de cette émotion-là. J'ai eu cette pensée récurrente aujourd'hui j'ai eu des pensées négatives. Pourquoi je les ai eues? Qu'est-ce qui m'a fait me sentir mal ?» Du coup, maintenant, je sais comment je fonctionne. Alors, pas totalement, j'ai encore beaucoup de travail à faire, évidemment. Mais je sais comment je fonctionne. Je suis capable de voir mes pensées limitantes, mes croyances limitantes, mes blocages, mes peurs, mes pensées compulsives. Et du coup, ça m'aide énormément dans mon quotidien, dans mon développement personnel, pour pouvoir travailler sur ces aspects-là. Alors, quand j'ai commencé la méditation, c'était des méditations qui duraient pas plus de 12 minutes, je m'en rappelle. À chaque fois, je regardais le temps et au bout de 12 minutes, je décrochais, j'avais le mental qui partait. Et au fur et à mesure des années, je suis passé après à 20 minutes, des fois 30 minutes, mais je suis resté beaucoup pendant plusieurs années à 20 minutes. Et aujourd'hui, mes méditations ont beaucoup évolué. Ça fait bientôt... j'ai commencé en octobre dernier à travailler sur les méditations du docteur Joe Dispenza. Alors je sais pas si tu le connais, si tu ne le connais pas, je t'invite à aller regarder un petit peu ce qu'il fait. Alors le docteur Joe Dispenza, c'est un chiropracteur, un neurologue et un biologiste qui est américain. Et il organise en fait un peu partout dans le monde des ateliers de méditation. Donc il fait plusieurs types de méditations, des méditations allongées, debout, assis, etc. En marchant.
même pendant la nuit. Et en fait, c'est des méditations assez particulières, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en fait, c'est des méditations qui, entre autres, permettent de t'attirer des circonstances, des événements, des personnes, ou de te guérir par toi-même, par tes propres pensées, par ta propre énergie intérieure, par tes propres fréquences vibratoires. Et d'ailleurs, il y a des études, donc il a fait plein d'études, il a recensé plein de cas avec des scans cérébraux, etc. Donc il a vraiment des preuves de ces méditations, où les personnes en fait, qui ont par exemple des cancers, des tumeurs, qui sont aveugles, etc., peuvent avoir des réémissions spontanées pendant ces ateliers, pendant les méditations. Et vraiment c'est spontané, c'est-à-dire le médecin t'a dit bah tu as une maladie incurable, il te reste tant de mois à vivre, on peut plus rien faire. Et bien grâce à ces types de méditations, il y a des personnes qui ont réussi à guérir de maladies incurables, de cancers, des aveugles qui ont retrouvé la vue, des gens handicapés qui ne pouvaient plus marcher, qui ont pu remarcher par la suite. Et d'ailleurs, même le docteur Joe Dispenza a lui-même, s'est auto-guéri lui-même il y a quelques années quand il a eu un accident de vélo. Donc il s'est fait percuter pendant qu'il faisait une course de vélo par une voiture. Donc il s'est cassé en fait le dos, il a eu plusieurs vertèbres de déplacer. Et les médecins, donc ses collègues, lui ont dit bah, « tu pourras plus jamais marcher, il faut qu'on t'opère, etc. » Alors c'était une opération très risquée qu'il devait faire, je ne me rappelle plus c'était laquelle. Du coup, il l'a refusé. Il faisait 3 heures de méditation sur son lit d'hôpital tous les jours. Et il a pu réparer son dos par des pratiques de visualisation, de rééquilibrer ses fréquences vibratoires, etc. Et aujourd'hui, il peut remarcher. Normalement, il a une vie normale. D'ailleurs, depuis que je pratique les méditations du docteur Joe Dispenza, j'ai eu quelques expériences plutôt intéressantes. Je peux t'en parler un petit peu rapidement maintenant. Dans un premier temps, une fois, j'ai fait une méditation, c'était la toute première, qui s'appelle « La bénédiction des centres énergétiques de niveau 4 ». Donc ça, c'est une méditation qu'on peut acheter sur son site internet. Alors sache que je n'ai aucune affiliation avec ces méditations ou ces produits, etc. Mais en fait, pendant la méditation, donc, on se concentre sur plusieurs points énergétiques. Et au bout du quatrième point, donc quand je suis arrivé au niveau du cœur, j'ai commencé à sortir de mon corps, en fait, à me pencher en fait, sur le côté gauche. Donc mon corps physique ne bougeait pas, j'étais assis sur une chaise. Mais mon corps commençait à pencher sur le côté gauche jusqu'à ce que je finisse littéralement, mais vraiment allongé en fait. Et je me sentais vraiment allongé alors qu'en fait mon corps physique n'avait pas bougé. Et je me suis mis à avoir très très chaud, mon cœur s'est mis à battre vraiment comme un tambour. Poum, 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 poum. Et j'avais vraiment, j'étais dans un état d'extase, de pur amour. Et je peux pas le décrire autrement en fait, j'étais vraiment dans un espace de pure conscience, il y avait que de l'amour et... Je peux pas le décrire, ouais, je peux pas le décrire autrement, mais je voulais juste rester dans cet état. C'était vraiment un état mais merveilleux. Je ressentais plus mon corps physique et j'étais juste, je sais pas comment l'expliquer. C'était vraiment ouf, c'était vraiment incroyable. Donc ça, c'était ma première expérience la plus puissante que j'ai pu connaître. Et une autre expérience qui m'arrive souvent quand même. C'est quand je fais la méditation de la glande pinéale, ça fait partie aussi des méditations du docteur Joe Dispenza. On va venir méditer sur la glande pinéale, qui est une glande qui est située dans le cerveau, et qui, lorsque tu l'actives, lorsque tu travailles dessus, ce qu'on appelle également le troisième œil, peut te faire avoir des visions, des expériences un peu transcendantales, mystiques, etc. Alors je n'ai rien eu de tout ça encore pour le moment, quoique j'ai déjà vu des formes géométriques, ça m'est arrivé. De voir des débuts de formes géométriques, je crois que c'était on appelle ça la Merkaba, ces deux triangles à l'envers qui sont imbriqués. Mais en fait, vu que ça m'est arrivé 2-3 fois, il y a la forme géométrique qui apparaît, et du coup je commence à me dire « Oh putain, il se passe un truc !» Je vois une forme géométrique et boum, ça disparaît. Parce que du coup je sors de cet état, parce que je suis excité, et du coup je perds le truc en fait. Donc ça viendra avec la pratique. Mais sinon, pendant les méditations de la glande pinéale, souvent, j'ai des flashs blancs dans les yeux, en fait. J'ai un gros flash, comme si on me prenait en photo, en fait. Et donc, tu pourrais te dire, ouais, mais c'est peut-être un phare de voiture, c'est peut-être une lumière dehors ou quoi, etc. Ce n'est pas possible, parce que j'habite reculé de la ville, il n'y a pas de lumière artificielle dehors. Et quand je médite le soir, je ferme les volets, donc je suis dans le noir total. Et en plus de ça, je porte un masque de nuit. Donc, impossible que la lumière vienne de l'extérieur, je suis certain qu'elle vient... de l'intérieur de je ne sais où. Aujourd'hui, je pratique 1h à 1h30 de méditation tous les soirs avant d'aller me coucher. Donc encore une fois, là, en ce moment, je suis vraiment sur les méditations du docteur Joe Dispenza, sur le rééquilibrage des centres énergétiques, créer mon futur, créer ma guérison, etc.
Et ça m'aide vraiment à me déconnecter de toute ma journée de travail, de toute ma journée, de me recentrer sur moi, de me recentrer sur mon royaume intérieur. Et je sens vraiment aussi que quand je médite, depuis que je médite les soirs, j'ai des nuits de sommeil qui sont beaucoup plus réparatrices. Et qui plus est, en plus, quand tu travailles sur tes centres énergétiques, par exemple, pendant tes méditations, eh bien, ça va venir travailler dans ton subconscient pendant ton sommeil. Et quand je me réveille le matin, maintenant, chaque matin, j'ai la patate. Je suis en feu, je suis en fire, je suis motivé pour la journée. Et donc, c'est vraiment très bénéfique, en tout cas, de méditer le soir avant d'aller se coucher. Évidemment, même après 9 ans de méditation, je ne suis pas à 100% immunisé contre les aléas de la vie. Bien évidemment, des fois encore, je suis réactif face à certains événements. Des fois, il y a des gens qui m'énervent. Des fois, je m'énerve sur des petits trucs à la con, sur des objets ou quoi. Il y a des fois, j'ai peur, j'ai encore beaucoup de peur, j'ai beaucoup de doutes, j'ai encore beaucoup de croyances limitantes à travailler. Il m'arrive de pas être dans le présent et des fois de penser qu'au futur ou d'imaginer des scénarios catastrophiques dans le futur. Enfin bref. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi, même si 9 ans de méditation, c'est beaucoup. J'ai pas médité 9 ans tous les jours, hein. Il y a des fois, il y a des périodes où je méditais pas, ça m'arrivait pendant plusieurs semaines ou quelques mois des fois de pas méditer. Ça fait depuis un an maintenant que je suis que je suis régulier, donc je médite tous les jours. Ou alors des fois je reporte le matin ou pendant la nuit si je peux pas méditer. Mais vraiment aujourd'hui c'est devenu une pratique quotidienne, ça fait partie de ma vie. Et je peux plus m'en passer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette vidéo que je suis en train de tourner, c'est la deuxième fois que je la tourne. J'avais fait une première vidéo où je parlais justement de mes 9 ans de méditation. Et sauf qu'en fait, pendant le montage vidéo, j'ai fait une connerie, j'ai écrasé le fichier de la vidéo. Ce qui fait qu'en fait, tout le montage que j'avais fait, j'avais pris toute la matinée pour faire le montage vidéo. Et au moment d'enregistrer, en fait, j'ai tout foiré. J'ai tout niqué, j'ai perdu la vidéo, donc il restait que le son. Du coup, j'étais bien dégoûté. Et du coup, pour te dire que j'ai réussi, en fait, j'aurais pu péter un câble, me dire « Putain, fais chier, ça me casse les couilles, etc. » Et en fait, quand j'ai pris conscience que j'avais effacé mon fichier, j'étais là et j'ai fait « Bon, bah, voilà. » Voilà, c'était ma réaction. Et pour te dire que j'apprends, même moi, encore aujourd'hui, à ne pas être et à accepter ce qui est, en fait. Bah voilà, j'ai écrasé un fichier, j'ai perdu ma vidéo, bah c'est comme ça. J'aurais pu m'énerver, j'aurais pu me dire « Ah, fais chier, vas-y, je laisse tomber, etc. » M'énerver, j'aurais pu mettre de la colère en moi et m'injecter du poison. Dans tous les cas, ça n'aurait rien changé à la situation, la vidéo, elle est perdue. Donc du coup, j'ai simplement réagi, bah voilà, c'est comme ça. Bon bah, je me suis dit, c'est quoi les options que tu as? Soit tu gardes que l'audio et tu la publies sur YouTube et t'en fais un podcast audio, mais ça serait pas terrible. Ou soit tu retournes la vidéo et ça fait chier parce que je crois qu'elle va durer 20-25 minutes, un truc comme ça. Du coup, j'ai dit bon, bah je la referai plus tard quand j'en aurai la motivation. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote pour te dire que ça sert à rien des fois de s'énerver pour quelque chose. Il faut juste accepter ce qui est. Pour conclure cette vidéo, je crois sincèrement et vraiment que la méditation a changé ma vie. Pour être honnête, je ne sais pas qui je serais aujourd'hui. Je ne sais pas si je serais la personne que je suis devenue aujourd'hui si je n'avais pas commencé la méditation. Et c'est une discipline qui, je pense et je suis certain, que je pratiquerai jusqu'à la fin de mes jours parce qu'elle m'aide énormément dans mon quotidien et encore une fois dans le contrôle dans la gestion de nos émotions, de nos perceptions de la vie, etc. Et je crois profondément que si tous les êtres humains se mettaient à méditer ne serait-ce que 5 à 10 minutes par jour, il y aurait 10 fois plus de paix, enfin on serait beaucoup plus en paix. On serait beaucoup plus, le monde serait beaucoup, beaucoup moins chaotique, on serait moins dans l'ego, moins dans le moi, et à la recherche de l'extérieur, à la recherche de reconnaissance, de pouvoir, d'argent, etc. Et d'ailleurs, c'est cette recherche de l'ego à aller vouloir chercher le bonheur à l'extérieur qui fait qu'on vit dans un état que notre monde aujourd'hui est ce qu'il est. Hein. Aujourd'hui, on est dans la nature, c'est devenu chaotique, les sociétés, c'est devenu chaotique. On est en train de détruire la planète, de bouffer toutes les ressources. On est en train de s'entretuer pour rien, pour de la merde, pour juste une question de croyances et des croyances religieuses et des croyances de merde, en fait. On est en train vraiment de se bousiller, en fait, de s'entretuer. Et donc, si vraiment chaque être humain se mettait, ne serait-ce que méditer un petit peu, de se reconnecter à soi et de prendre conscience que bah, tout est en nous, en fait. On n'a pas besoin d'aller chercher les choses à l'extérieur. Alors évidemment, j'ai des ambitions aussi, tout le monde en a.
on veut de l'argent, on veut un confort financier, on veut un confort de vie, on veut avoir accès à, je sais pas, à de la bonne nourriture, voyager, on a des projets, ça c'est normal. Mais il faut pas que ça vienne nous bouffer de l'intérieur, il faut pas qu'on soit vraiment que dans la recherche de l'extérieur et d'être complètement dirigé par notre ego. Et je sais aujourd'hui qu'on arrive dans une période où il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à la spiritualité, à la méditation, à l'introspection, et il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience que le bonheur n'est pas à l'extérieur, dans la recherche de choses extérieures, mais que tout est en nous. Et je suis quelqu'un, même si aujourd'hui on est dans une situation un peu chaotique avec des crises sanitaires, économiques, etc. Je suis quelqu'un d'optimiste et je sais qu'on va finir par se relever, par évoluer. Et c'est comme ça qu'on a toujours fait, on a toujours évolué malgré les difficultés, les guerres qu'il y a pu avoir dans le passé. Je sais que l'être humain va finir par s'en sortir et que peut-être dans le futur, j'en suis certain en tout cas, je pense qu'on arrivera dans une ère beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus centrée sur l'intérieur que l'extérieur. Et je terminerai cette vidéo pour te dire que si tu es une personne qui a des difficultés à gérer tes émotions, si tu es rapidement perturbé par les événements extérieurs, tu es réactif aux événements, tu es quelqu'un de stressé et d'anxieux qui a du mal à dormir et à te recentrer sur toi, sache que je propose des accompagnements personnalisés à distance, donc en visio, par Zoom, Skype, etc. où je t'accompagne sur 2 à 3 mois à implanter des petits rituels au quotidien, donc le matin, le soir et dans la journée, afin que tu puisses prendre conscience de tes émotions, de tes schémas intérieurs par le biais de méditation et d'exercices de respiration très puissantes, avec tout plein d'autres exercices, plein de petites astuces sur le sommeil, etc. Et donc je t'accompagne vraiment de A à Z sur toute ta problématique. Donc si ça t'intéresse, si tu souhaites te faire accompagner ou avoir plus d'informations sur le coaching, donc je pourrais t'en parler un petit peu plus, tu peux me contacter, je vais mettre une adresse mail et tu pourras me contacter aussi via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et mon adresse mail comme je viens de le dire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à partager cette vidéo pour faire connaître la méditation. Mets-moi en commentaire si tu pratiques la méditation. Quelle expérience quelles sont les meilleures expériences que tu as vécues en méditation? Et si tu aimerais te mettre à la méditation, bah, dis-le moi aussi en commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir tes retours. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Je vous fais plein de bisous. Namasté.